Dans une interview accordée à Téléstar, la journaliste de France 3, Catherine Matoche, donne des nouvelles de sa santé après le traitement de son cancer du poumon. Visage très familier des téléspectateurs, Catherine Matoche a accordé une interview dans le dernier numéro de Téléstar, édition du 16 janvier. La journaliste de 62 ans, toujours aux commandes des éditions du week-end du 12-13 des 19-20 de sur France 3, en a profité pour donner des nouvelles de son cancer du poumon. Je suis confiante, combattante et en harmonie. J'ai été opérée d'un cancer des poumons il y a plusieurs mois, cette maladie est derrière moi. Tout va bien maintenant, a-t-elle rassuré. La vie a été compliquée pendant un an et demi. Pour rappel, au printemps dernier, Catherine Matoche avait dû s'éloigner temporairement des antennes de France 3 afin d'entamer un traitement pour son cancer du poumon. Elle s'était confiée à ce sujet à Télévision Grande Chaîne en juin dernier, la vie a été compliquée depuis un an et demi. J'ai enchaîné plusieurs arrêts maladie à cause, entre autres, d'un cancer du poumon, avait-elle déclaré. La présentatrice du 19-20 avait effectué son retour en août dernier. Elle avait d'ailleurs posté un message sur son compte Instagram, « Revenir de vacances et vous retrouver si fidèle au 19-20, si est-il un grand bonheur pour moi ?» À chaque rentrée, si est-il le même bonheur aussi de retrouver les équipes, les journalistes, les régions qui font notre identité, retrouver ce goût du travail en commun, l'adrénaline de l'antenne. Merci merci, avait-elle écrit. Ces journaux, si est-il toute ma vie professionnelle. Si Catherine Matoche prend toujours du plaisir à animer ces journaux, ces derniers s'apprêtent à être bientôt retirés de l'antenne de France 3. Une décision contestée par la présentatrice elle-même à Téléstar, ces journaux, si est-il toute ma vie professionnelle. J'ai fait mon métier avec simplicité, passion, rigueur, un profond respect des téléspectateurs. J'ai forcément ressenti une grande tristesse et une incompréhension. Ces journaux, si est-il une institution. En attendant leur retrait, Catherine Matoche continue de présenter chaque week-end les éditions du 12-13 et du 19-20 d'à compter de ce samedi 21 janvier. À lire aussi « On m'a passé un sacré savon », Catherine Matoche revient sur l'un de ses pires accidents de direct.